Les 29, 30 et 31 août 2019 ont été marqués à Bamako, au Mali, par les travaux de l'atelier régional de validation du rapport d'études sur l'harmonisation des procédures et des processus au sein des chambres de commerce et d'industrie membres de la FEWACI, une initiative du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO sur financement de l'Union européenne. Il s'agit de mettre à la disposition des chambres de commerce et d'industrie membres de la FEWACI un manuel de procédures organisationnelles harmonisées. Nous savons que tout le monde, que sans le secteur privé, nous ne pouvons pas développer des infrastructures de la qualité parce que c'est eux qui sont les principaux utilisateurs. Donc nous accordons une très grande importance à cet atelier de validation qui va permettre, j'en suis sûr, d'arriver à un guide qui pourrait dorénavant être une norme pour vous, parce que nous, quand on parle de qualité, on parle de normes par rapport au fonctionnement, par rapport au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été invités par la FEWACI à une rencontre des chambres de commerce et d'industrie pour valider le système qualité à mettre en place dans chaque chambre de commerce et harmoniser les procédures de mise en place du système qualité. At a time when the role of the private sector is presented as one of the driving forces for the development of African countries, the intermediary bodies of which the Chamber of Commerce are at the forefront have essential functions of ensuring that reliable and lasting solutions are provided to meet the needs of economic operators in creating new economic areas and in speeding up the chances of an economic environment in preparation for the entry into force of the continental free trade area. L'objectif général du programme, faut-il le rappeler, est de développer et consolider la culture de la qualité au niveau des opérateurs économiques et des consommateurs de la région. Face à la mondialisation des économies et son corollaire d'intensification de la concurrence, la culture de la qualité est devenue un critère vital pour la compétitivité et la survie de l'entreprise. La qualité est de ce fait devenue incontournable et son déploiement s'inscrit aujourd'hui dans la vie des entreprises, administrations publiques, voire des institutions. Elle s'impose désormais comme un véritable argument commercial et un facteur indéniable de confiance. Face aux exigences croissantes des clients, ce qui concerne la fiabilité des produits et des services qu'ils achètent et d'un environnement de plus en plus concurrentiel, les entreprises ou organismes doivent désormais démontrer leurs compétences et leur savoir-faire. Pour ce faire, s'engager dans une démarche qualité apparaît comme un élément essentiel pour assurer non seulement la satisfaction des besoins, mais aussi la pérennisation de l'organisme. Vous venez des 15 États. Et vous représentez beaucoup les chambres de commerce et d'industrie. Donc vous jouez un rôle vraiment très important pour le soutien et la création des entreprises et de la richesse et de l'emploi. Eu égard à cela, vous devez profiter de ce séminaire qui s'organise ici aujourd'hui pour procéder à la validation d'un certain nombre de manières de procédures que nous sommes en train de vouloir donc, que dans les différents pays ça puisse être adopté et de façon donc réelle. Cet atelier donc s'inscrit dans ce cadre et il vise à permettre de mettre au même niveau les différents États. Donc la CEDEAO en tant qu'instrument régional vise à effectivement assurer cette cohérence au niveau régional. L'organisation du présent atelier régional fait donc suite à la manifestation d'intérêt des deux organisations principales professionnelles régionales du secteur privé, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FEWACI, et la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO. Une façon pour elles de contribuer au renforcement de la démarche qualité des entreprises du secteur privé.
FEWACI et FOPAO étant membres du comité de pilotage du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. La qualité des biens et des services reste un défi majeur que nos États se doivent de relever en vue d'une plus grande compétitivité de nos entreprises sur la scène internationale. L'atelier a regroupé les représentants des pays membres de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'ONU, ceux de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Conclusion générale, on pourrait dire que Bamako a comblé les attentes.